Yo les potes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dernier vlog, tout simplement, de la session de travaux. Voilà, les travaux sont totalement finis. Et voilà, c'est totalement fini. Si vous voulez une vidéo des travaux finis, plus des prochains vlogs, je vais mettre un objectif 1000 likes. En vrai, s'il y a 1000 likes, je vais essayer de reprendre un peu plus les vlogs. Et je vous ferai une vidéo, room tour un petit peu de tout ce qui était fait. Parce que là, c'est quasiment fini à 90%. Donc voilà. En ce qui concerne du coup cette vidéo, c'est que j'étais déban Twitch. Donc là actuellement vous regardez cette vidéo, je suis déban Twitch, voilà. Vous pouvez aller en description, je serai en live spécial déban Twitch. Donc voilà, la chaîne Twitch est en description, je compte sur vous pour venir. En tout cas moi, pendant cette vidéo, qu'est-ce que je vais vous proposer? Parce que je n'ai pas fait une vidéo juste pour vous dire ça. Je vais vous faire un petit tour de mon appartement, parce qu'il y en a qui me l'ont demandé. Je ne vous montre pas le setup, hein, mais je vais vous faire un petit tour de l'appartement. Et regardez ce que je suis en train de faire. Je suis en train de, les gars, de... Parce que j'ai pas, faut savoir que j'ai pas d'imprimante et j'ai qu'un seul stylo et il marche pas. Donc je suis en train de faire attestation de déplacement. Je veux signer. Les gars, j'ai pas écrit depuis un an. Ça fait un an, j'ai pas tenu un stylo dans les mains. Aïe. Aïe. Est-ce qu'il y en a qui arrive à lire, hein? Déplacement pour faire... En plus, le stylo, il marche pas. Regardez, genre, ça marche que dalle. Vous pensez que je vais me faire arrêter? Vas-y, je pense que je vais filmer, parce qu'on sait jamais. Je vais aller faire des courses parce qu'il me reste pas grand-chose. Du coup, je vais vous faire un petit room tour de l'appartement. Il fait 42 mètres carrés, donc je paye 420 euros par mois. Pour ceux qui se demandent, je paye 420 euros par mois. Il y a 42 mètres carrés. Dans les 42 mètres carrés, ce qui n'est pas compté, il y a une cave de 10 mètres carrés qui n'est pas ici, qui est en dessous. J'ai un garage fermé pour ma voiture. Et là, j'ai un balcon, je vous montrerai après. Donc déjà, 42 mètres carrés plus tout ça, pour 420 euros, ça reste raisonnable. Donc moi, j'habite à Clermont-Ferrand, pour ceux qui veulent savoir. Donc déjà, qu'est-ce qu'on a là? On a un lit double place. Normalement, on le met là, le lit double place, pour que ça prenne moins de place. Mais moi, je préfère faire un petit confinement setup. Donc voilà, lit double place avec matelas mémoire de forme. Je crois que j'en ai pour 1000 euros total, donc vraiment le top du top. J'avoue, ça fait un peu bizarre d'avoir son lit au milieu du salon, mais c'est comme ça. Ensuite, une table. Alors cette table, elle est trop bien, mais je vais pas mentir, j'ai pas encore trop l'utilité. D'ailleurs, j'ai un objet très rare, les gars. J'ai un gobelet McDo, je le garde en souvenir. C'est une table qui peut se lever comme ça, vous voyez, et qui va avancer, enfin qui va aller plus vers là, quoi. Hop là, et ça c'est vraiment pratique. Ça c'est une table qui était dans l'appartement et qui me sert un peu d'entrepôt. Ensuite, là on avait les trépieds pour les lèvres cuisine. Là on a la grande table, donc là avec toute la bouffe, etc. Les petites provisions ici, et voilà. Mais moi il manque des bananes, j'en ai presque plus. Donc voilà au niveau. Après là il y a un petit balcon. Ensuite on a mon ancienne chaise qui me sert un peu de porte-manteau. On a la salle de bain, donc en vrai rien de fou quoi, là il y a juste mes affaires qui sèchent, avec une machine à laver, une baignoire, une salle de bain classique, et après ici il y a mes toilettes, des toilettes classiques, et j'ai ma spécu. En vrai je crois que j'ai le même pays, genre les gars j'ai acheté spécu là il y a tellement longtemps, quand t'es seul t'en passes pas beaucoup. Du coup voilà au niveau de l'appartement, il est pas mal, c'est vrai qu'il manque une petite cloison, je vous avoue là il y aurait une petite cloison de ici là, hop là qui viendrait comme ça là, ah ça serait pas de refus, ça m'aurait évité de faire tout ça d'ailleurs. D'ailleurs, je passe pas une. Donc voilà, du coup les potes, là je vais aller faire les courses. Vraiment, venez sur Twitch, je suis en live au moment où vous regardez cette vidéo. Vraiment les gars, c'est mon retour sur Twitch, je compte sur vous pour venir. Moi surtout dehors, si je me fais pas arrêter, on verra bien. Allez, let's go. Du coup les potes, je suis rentré des courses, donc j'ai croisé aucun flic, etc. J'ai même pas besoin de sortir mon papier, donc tranquille. Donc qu'est-ce que j'ai acheté? J'ai acheté des pizzas, j'avoue qu'il y en avait quasiment plus des pizzas, honnêtement, il y en avait presque plus. D'ailleurs, ils ont remis un petit peu des œufs, mais pas trop, et des pâtes, ils en ont remis. J'ai acheté du gruyère, il y en avait plus la dernière fois. J'ai acheté brioche pasquier avec des pépites de chocolat, parce que putain, j'ai eu peur qu'il n'y ait pas de pépites de chocolat, sinon elles sont dégueulasses. Tac, et en vrai, là, j'ai plus envie de sortir, hein. C'est bon, c'est trop chiant, vas-y, faire un papier et tout, ça m'a cassé les burnes. Et j'ai acheté mes bananes, hop là. Donc là, j'en ai pour une banane par jour, trois, ouais. J'en ai pour minimum une semaine, donc on est bien, on est bien, on est bien. Et comme ça, on aura plus besoin de ressortir, parce que je vous avoue que pas forcément envie de sortir, quoi. Même s'il fait très beau, hein. Ah là là, il fait bon. Quand tu sors dehors et là, t'as un vent chaud sur toi, c'est dur de résister, les gars. Mais il faut, c'est pour ça que je vais attaquer de live à partir d'aujourd'hui pour vous tenir compagnie. Bref, les gars, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces bleus, objectif 1000 likes. Et puis voilà, moi je vous dis sur Twitch les potes, à tout à l'heure, c'était Cocteau, ciao.